Sur votre droite, quelle arrière où il y a charge? Du nom amérindien qui veut dire Kodo Abdou. Je repasse de Mademoiselle Lincoln. Et elle est notre vieille fille du village. Tout au fond à droite. Et à l'époque, il y avait un abattoir à l'arrière. La boucherie a été restaurée. Il demande notre magasin général qui a été entièrement rénové. Bonjour, Mme Thibault. Bonjour. On vous amène la visite. Vous amenez la visière? J'ai bien, amenez-moi là. Ils ont l'air d'Adam. Ouais, hein? Un peu comme moi. Encore une chance, j'ai mis mon beau chapeau, sinon j'aurais été chenu pour vous savoir. Et elle contient quelques objets qui ont été retrouvés sur le site. Et la vue du book à droite a été nommée en mémoire de celui qui a redonné un second souffle au village et à l'usine. Et on raconte que ce serait M. le curé qui l'aurait planté là pour éviter une chicane de voisins. Et maintenant, nous allons prêter la ville à Brec. Sur votre gauche, vous allez apercevoir la petite. Et elle a été rénovée également l'année dernière. Thank you.
loin au bord de la forêt, vous pourrez voir un orignal. L'orignal qui est le plus grand de tous les félidés. C'est donc Patrick Garnett est un très bon rageur et également de très bien marcher dans la neige. Les voilà, draveurs. C'était indivisible et très cher. Au 19e siècle, une bonne part de l'économie du pays repose sur les larges épaules des bûcherons et des draveurs. Ils sont les héros légendaires d'une époque révolue. C'est ici, sur le coin d'un comptoir, mais aussi au fond des bois ou autour d'un feu, que deux civilisations se découvrent et s'apprivoisent. Les Blancs, Européens et Canadiens, et les Sauvages, les Amérindiens. En langue indienne, comme on disait, ou en anglais et en français, les échanges de marchandises permettent aussi de troquer des brins de culture, de connaissances et de sagesse. Le temps de la pêche et de la cueillette. Le camp est installé près d'un cours d'eau, plusieurs bandes, jusqu'à 300 personnes peuvent vivre ensemble sur un même site. Lorsque l'automne arrive, on veille aux dernières provisions. Il doit y avoir suffisamment de viande, de poissons séchés et de vêtements chauds.
Allô, toi. Allô, Clé. Oh, yes. Thank you.
C'est rare qu'on voit la bande blanche sur leur corps. D'habitude, les baleines restent dans le même secteur. De rester dans le même secteur, puis tourner, ils sont pas tout le temps dans la même direction. C'est bien l'oreille, des fois, on les entend respirer. Ah, on peut faire une super imitation, moi. Moi aussi. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se déroule à l'observation de l'ours, puis notre soirée au complet. Fait que là, on va partir d'ici avec chacun notre, habituellement avec chacun notre véhicule, mais Eric va t'emmener avec moi. Puis vous, j'ai dit que vous allez monter avec moi. Hein? Oui, bien sûr. Okay. OK. Fait que ça va faire moins de véhicules sur sur la route, là. Puis on va faire 35 km à partir d'ici. C'est dans le coin de Manic 2. Après ça, quand on va arriver là-bas, on va laisser notre véhicule sur un stationnement. À partir de là, je vais vous demander, on va essayer de ne pas trop faire de bruit. Naturellement, les premières choses à éviter, ça va être de ne pas claquer les portes trop fort. On les ferme, puis après ça, on va les clencher. On va faire une petite marche, à peu près de 2 ou 3 minutes. Pendant qu'on va faire cette petite marche-là, ça peut arriver qu'on rencontre des ours. Mais c'est pas dramatique, parce que c'est normal, ça nous arrive de temps en temps. De toute façon, si ça peut vous rassurer un petit peu, j'ai toujours une arme de gros calibre avec nous autres. Fait que ça fait 17 ans cette année qu'on fait l'observation de l'ours, j'ai jamais eu à l'utiliser, puis je croirais pas qu'on ait à l'utiliser non plus, mais c'est juste une mesure de sécurité. Quand on va arriver à la bâtisse, là-bas à l'observation de l'ours, là, on va entrer à l'intérieur de la bâtisse. Puis à partir de ce moment-là, encore une fois, à l'intérieur de la bâtisse, on va faire attention de toujours se déplacer très lentement. Le but de ça, c'est pas que les ours vont venir nous chercher et qu'ils vont nous manger tout rond, là. C'est pas du tout, c'est exactement le contraire. Si on se déplace trop vite, si on fait trop de bruit, on risque d'y faire fuir tout simplement. Surtout si on est en train de regarder les ours en avant de la bâtisse, par exemple, en avant de la cabane, puis qu'il arrive une femelle avec des petits. Mais si on part à la course pour aller prendre des photos, c'est à peu près certain qu'il n'y a pas personne qui va avoir le temps de prendre des photos. Okay? Fait qu'on essaye de toujours se déplacer très lentement, puis de façon à se donner le plus de chances possible. Si on va voir des ours, là, avant que la question vienne, moi, ma question, c'est pas si on va voir des ours, c'est combien on va en voir, puis à quelle heure on va en voir. Quand on arrive là-bas à la bâtisse, moi, ce que je fais, je vous laisse tout seul à peu près une dizaine de minutes. Je retourne au stationnement, je prends mon véhicule, je vais venir reculer devant la bâtisse où on fait l'observation pour déposer de la nourriture sur le site. Pendant que je vais reculer, si jamais il y a des ours qui sont déjà rendus, c'est à peu près sûr qu'ils vont se tasser, les ours. Mais il ne sera pas long qu'ils vont revenir. Ils savent que c'est la livraison du lunch, puis ils devraient revenir assez vite. Mais à l'inverse aussi, ça peut arriver qu'on soit obligé d'attendre après les ours. Fait que si on est obligé d'attendre, encore une fois, soyez patient, puis inquiétez-vous pas, on devrait avoir des ours. Ça, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, ma question à moi, c'est pas si on va avoir, c'est combien on va avoir, puis à quelle heure. Tout simplement. Parce que les animaux qu'il y a là, c'est vraiment tous des animaux qui sont strictement à l'état sauvage. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clôture qui les tient là. C'est tous des animaux à l'état sauvage. C'est juste pour ça que je vous dis, ça peut arriver qu'on soit obligé d'attendre, comme ça peut arriver qu'il soit là. Je pense qu'en gros, j'ai pas mal fait le tour de la question. Là. Le reste, là, à mesure que ça va avancer, si vous avez des questions durant la soirée, ne gênez-vous pas, allez-y, posez vos questions. Je suis là pour ça, pour répondre à vos questions. Puis ça me fait plaisir d'y répondre.
c'est une agréable croisière. Juste une petite chose aussi, tout à l'heure, quand on va passer dans le trou du rocher percé, là, tenez-vous bien, bien fermement sur tout ce que vous pouvez, parce que vous allez voir, ça va secouer, d'accord? Vous en parler plus quand on sera plus près dans le fond, parce qu'on va vraiment, on va longer la colonie, il va en avoir énormément, et puis même certains d'entre vous, c'est ça, vont peut-être se faire gentiment arroser par, par le nuage de fous de bassin qui vole autour de vous. Donc on va le garder pour plus tard, mais juste très rapidement, les fous de bassin sont les plus grands oiseaux qu'on voit. On en voit un voler juste là, ils sont faciles à identifier, ils sont tout blancs, la tête bien jaune, d'un jaune safran comme on dit, avec le bout des ailes tout noir. Donc, ils sont assez faciles à reconnaître. Intéressé justement par cet aspect-là historique, moi je trouve que c'est une chance d'avoir dans un parc national une histoire qui est fort intéressante. Donc je vous conseille d'aller visiter la maison du gérant de la Le Boutier Brothers. Ils vont vous l'indiquer à l'accueil, elle est juste là. À l'intérieur, il y a un interprète qui va vous parler justement plus amplement la pêche à la morue, comment ça se faisait, comment est-ce qu'il la préparait, le salé séché, c'est quoi, quelle était la réalité des habitants. Donc je me présente, je m'appelle Julien, je vais partir à peu près vers les deux épinettes. Le point de départ c'est les deux épinettes. On va partir en balade jusqu'à la colonie, si je la trouve, jusqu'à la colonie. On va arriver à peu près pour midi, midi et quart. Et puis j'aborde différents thèmes, la géologie, les successions végétales, la présence des insulaires, les oiseaux marins, les mammifères de l'île. Enfin, il y a 5 fois, 6 fois où on va s'arrêter le long du sentier. Je vais parler de thèmes différents. Elle s'est laissée là-dedans pendant 3 jours. Puis après ça, le poisson est lavé à l'eau.
pour dessaler un petit peu. Donc, ça reste très, très salé. Cicatrisation pour empêcher de la perte de son élément vital, bien, il va cloisonner cette région-là, il va clôturer ça, qu'il ne passera plus jamais de sève dans ces pores-là. Donc, par l'action du gel et du dégel qui font monter la pression, c'est là que la sève va suinter, je dirais, goutte à goutte du trou que j'ai pratiqué. Donc, ça peut être utilisé. Celle-là, on a vu le tableau, le bas-relief à l'intérieur. Donc, c'est un chalumeau comme ceci qu'on insère dans l'entaille et auquel on accroche un petit crochet en dessous. On accroche un seau comme ça.
Ça, c'était la méthode qu'on va appeler maintenant la méthode traditionnelle, parce qu'à partir d'environ 1900, 1910, 1915 à peu près, qu'on a installé ça, parce qu'avant, c'était des bacs d'écorce de bouleau blanc qu'on mettait dans la neige ou des auges en bois. Mais avec un seau comme ça qu'on accroche au chalumeau, ça date d'à peu près ces années-là. Et ça a été en vigueur ça, jusqu'aux années 70. C'est un très court laps de temps et qu'une infime partie de l'eau qui circule dans l'arbre que je vais puiser au printemps. C'est en quelque sorte le loyer que je charge à mon arbre pour les garder. Magasin général. Celle-là est en construction. Donc, là, on voit les croix de Saint-André, là, les tables, les portes, tout est fait ici. Fait que c'est un vrai fun, c'est un vrai plaisir de faire ça. Ah oui, c'est une passion. Ouais, c'est ça. Et c'est depuis quand que vous faites ça? Vous avez commencé quand? Ça fait 15 ans. 15 ans cette année que je fais ça temps plein. Toute l'historique du en région, à Québec aussi, les maisons. C'est fait à partir de photos. Les ethnologues ont des livres d'histoire, là, fait que c'est les coups de cœur, les archives du Québec, tout ça, là. Fait que c'est à partir de là que je prends mes photos. Fait qu'il n'y a pas une pareille, puis je voulais pas en faire trois pareilles. Je copie pas sur. Ça m'intéresse pas d'en faire trois pareilles. C'est pas intéressant. Et je vais avoir une sorte de maison, un autre modèle de maison, une autre sorte de maison. De provenance de l'Europe, du Québec, que c'est les mères canadiennes qu'on appelle. Il y a la Bretagne aussi, j'en ai, ainsi de suite, là, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, oui. Ouais. Je peux sonner les cloches, hein? Je ça. Ah ouais? Le bateau, le Saint-Christin. Ça part au mois de novembre, aux premières neiges, puis ça revient au mois de mars à la forme des neiges. Fait qu'il y a l'impression qu'il dit, tu passeras pas l'hiver les deux pieds dans le fourneau, là. Tu vas te chauffer, mais rien faire. Fait que, faut travailler, puis faut vivre, fait que c'est ça, ça prend du travail. C'est clé, parce que ça donne rien, pour tout de suite, là. Ça ici, c'est une belle ligne d'habitants. Ici, j'ai une vieille carriole, toute vieille carriole, la couleur. C'est tout fait avec du vieux bois, tout craqué. Fait que c'est pour ça que j'aime bien ce que j'ai fait, parce que je l'ai fait avec du bois, du vieux bois, c'est la récupération. Mm-hmm. Et puis ça met les bâtiments comme s'il y avait déjà 100 ans ou 150 ans d'existence. Thank you.
personnel. Gardez! Boum! Dodson, à l'épaule! Un! Dodson, pas! Deux! Oh, my God. Fuck it, I'll see. Ha!